Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Je vais vous présenter un colis que j'ai reçu hier. Exactement. Vous avez vu que je l'ai ouvert. Donc, vous voyez qu'il est ouvert. Alors, je vous explique. Il y a des micros. Il y a déjà un micro que j'ai donné à Olivier parce que c'est le sien. Il avait commandé un. Alors, je vais vous présenter là le premier pied. Micro. Hop. Premier micro. Hein. Alors, j'ai pris la marque Steig. C'est compris dedans. C'est dans le. Voilà. C'est la marque Steig. Hein. Une marque belge. Qui est très bien. Voilà. Donc, voilà, ça c'est Steig. Il y en a trois. Je vous en présente le deuxième. Voilà, le deuxième. Et le troisième. Alors, je vous montre comme ça sera plus simple. Vous verrez que, voilà, le Steig. Alors, j'en fais un comme ça. De l'autre sens. Bon, ben voilà, c'est pareil. Bon, voilà, vous voyez, c'est plus clair, tout simplement. Alors, tous les trois, c'est trois pieds Steig, de tout simplement, dans le, voilà. Ça, c'est la marque Steig. Pour vous l'avouer, j'en ai quatre, parce que le quatrième, il est en bas. Je vais vous faire montrer un micro qui est très intéressant. Voilà. Un micro qui est très intéressant, le SM58, très bon micro. Voilà le SM58. Voilà, on a déjà deux et le SM58, trois SM58. Désolé, hein, la caméra elle est pardon. Elle est à côté de moi, c'est moi qui la tiens, j'ai personne d'autre qui la tient. Donc, on va les ouvrir pour montrer ce qu'il y a dedans. Alors, je vous explique tout simplement le premier. Donc, vous voyez, hein, c'est clair, hein, c'est... Alors, voilà, si on met du bon sauce, c'est bien. Hein. Alors, je vous explique qu'est-ce que j'ai. Donc, voilà, ça, c'est le micro qui est protégé. Donc, pour vous dire, voilà. Donc, voilà. Hein, il y a une petite ficelle. C'est la première fois que je vois ça dans mon Steig. Dans mon, pardon. N'importe quoi, moi. Voilà, dans mon Shure. De mon SM58. Moi, je trouve que, bon, ça va, c'est sympa. Un petit papier, voilà, petit papier, la notice, voilà, plus les caractères du micro, encore une notice, là c'est carrément la vraie notice, ça c'est carrément la notice, voilà, la notice du micro, et bien sûr, quelque chose qui est important à vous dire, c'est que c'est fourni avec ça, voilà. Donc, qu'avant, il n'y en avait pas. Et bien sûr, un petit cadeau. Hop. Ça sera mieux comme ça. Ah, punaise. Ça, c'est pour dire qu'on parle de moi. Non, je rigole. Voilà. Un petit autocollant de chien. Alors, vous le dire, je vous le dis, moi, personnellement, voilà ce qu'il y a dans le pack du système. Bon, ben, attendez. Hop. Là. Hop, excusez-moi, je vais mettre... Et je vais vous montrer le micro. Alors là, maintenant, le micro, je le fais avec une seule main, parce que, voilà. Voilà le micro. Alors, je vous ferai, après, je vous ferai montrer, bien sûr, les cordons qui sont fournis, parce qu'il y a les cordons aussi qui sont fournis, voilà. Donc, pour votre information, il me manque encore des cordons que j'ai commandés, voilà, tout simplement. Voilà le SM58, qui est très bien, c'est un très très bon micro, hein, il est assez lourd, hein, je peux vous le certifier, que le Apex, il est un peu plus léger, par contre, hein, je peux vous le dire, il est un tout petit peu plus léger, mais j'en ai un autre qui est Audio-Technica, il est quasiment léger, c'est vraiment un micro de gosse, voilà. Alors ça, c'est les micros pour le CAT, voilà. Alors, c'est beaucoup de personnes qui me conseillent de le prendre,
Et je connais très bien ce micro-là parce que j'en ai déjà un. Je l'ai testé, ça m'a plu. Et bien sûr, hein, ça m'a plu et voilà, tout simplement. Donc voilà, vous n'inquiétez pas, je fais comme ça parce que voilà, c'est... Donc, voilà la notice. Donc la notice, hein, elle est là. Les petits trucs, hein, les petits papiers, les petits trucs, les petits autocollants, là 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 là. Voilà. Donc voilà. Hop. Donc je vous pose 5 minutes ici le caméscope. Voilà. Donc. Alors, je suis désolé, hein, voilà. Alors, c'est un très bon micro. Et, hop, un très très bon micro. Donc voilà, c'est un très très bon micro. Donc oui, je vais pas le faire en plusieurs parties parce que ça va être un peu trop long, ça va être un peu emmerdant et ça fait du montage un peu con. Et j'aime pas, voilà. Le SM58, un très très bon micro, c'est vraiment le micro, le... On va pas dire le haut de gamme, mais c'est un des bons, meilleurs, qui a été utilisé, qui est toujours utilisé pour les spectacles. Quel que soit, dans les chants, tout ça, etc. C'est un très très bon micro. Voilà, là, ça là-dessus, on peut pas le nier. Et ils m'embêtent, comme d'habitude. Bon, donc, voilà. Voilà, pour ces petits micros. Maintenant, je vais en faire présenter un autre. Voilà, que celui-ci, vous voyez, c'est pas le top dans le truc, hein, parce que c'est comme ça, c'est voilà, c'est comme ça, c'est. On peut vous certifier que je suis. Hein, comme s'il était ouvert, etc. Bon, bref. Hein. Moi, personnellement, c'est un très bon micro, parce que je le connais très bien, c'est, j'en ai déjà un. De celui-ci, l'Apex. L'Apex, c'est un très très bon micro aussi, mais moins bien que le... que le SM58. Voilà. Ça, c'est celui-ci. Alors, beaucoup, celui-ci, on l'utilise dans les années 80-90, on l'utilisait beaucoup avec son collier bleu, et il est aussi en collier rouge. Moi, je préfère le collier bleu. Voilà, c'est comme ça. Et vous voyez, hein, ça, c'est fourni avec. Qui est la différence avec le... Alors, je ne vais pas vous citer les prix parce que c'est pas trop mon but de vous en parler. Mais je peux vous dire que j'en ai eu pour un total de presque 400€ l'ensemble complet. D'accord ? Pour 400 et quelques euros de total. Hein. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a voilà, deux micros, trois micros, donc voilà, hein, vous voyez, hein, troisième micro, et le quatrième, là, Olivier, donc ça fait quatre micros, donc voilà, faut dire, c'est les mêmes micros, exactement les mêmes, j'en ai pris trois pour, trois comme ça. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et c'est génial, il faut le dire. Hein. C'est, voilà. C'est génial, c'est vraiment... voilà. Avec ce qu'on a besoin, c'est vrai. Hein. Avec ce qu'on a besoin, tout ça, c'est franchement très, très bien. Alors, en même temps, je vais faire montrer... Comme... Ah, j'ai pas fini, hein, parce qu'il manque dans la commande, il manque quelques-uns encore. Il manque... voilà. Voilà, c'est... Voilà, ça se présente comme ça, mais bon. Après, je vais vous faire montrer. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, c'est pour le micro, tout simplement, les SM58 de chez Shure. Voilà. Et j'en ai trois comme ça. Un. Deux.
Et bien sûr, voilà, la boutique. Et le troisième qui est là, mais bon, bizarrement, celui-là, il n'a pas son truc. Bon, voilà. Et le troisième. Donc, c'est le même. Hein. Donc, ça fait déjà trois. Et j'ai commandé aussi. Ah, ça, c'est pour vous dire que c'est avec. Voilà. Donc, voilà, c'est. Et ça, c'est version 10 mètres. Alors, ça, c'est pour les concerts, pour les spectacles qu'on va faire. Et c'est vraiment dans le... Là, j'en ai commandé 5 comme ça. J'en ai commandé 5 et je ne vais pas les mettre pour ne pas être emmerdé. Hein, embêté, exactement. Je ne vais pas les mettre tout simplement avec, avec cela. Parce que ça, ça va être vraiment à part. Ça va être vraiment à part parce que c'est pour quand on fait des grands concerts. Voilà. Quand on a la, qu'on sera sur scène, tout simplement. Donc voilà le complet, hein. Hop, voilà le complet. Et vous voyez, il manque quand même, parce qu'il manque quand même, hein, il manque le cordon, les cordons 10 mètres, il en faut 5. Donc j'ai 4 qui vont pas tarder à arriver. Et donc, tout simplement, voilà, pour vous faire montrer, en gros, ce que j'ai commencé déjà. Voilà, hein, j'ai commandé. Les mois suivants, il y aura 2 guitares, faut le dire, 2 guitares. Je pense que je vais prendre du folk, Fender, ou... comment dire, libanaise, on ne sait pas, je verrai avec les moyens que je vais prendre. Bien sûr, c'est des belles guitares que je vais prendre, je vais rester un peu convenable dans les tarifs en restant dans la gamme officielle et bien sûr pas début, mais vraiment pour les personnes qui vont faire la musique dans les spectacles qu'on aura. Donc, comme je vous ai dit, en gros, il y aura pas mal de choses à faire, hein, de choses à faire qu'on est en train de se mettre, hein, tout simplement. Donc, nous, on essaye d'avoir au moins le maximum, hein, de ma manière, parce que c'est mon travail, c'est ma façon de travailler. Voilà, c'est ma façon de travailler. Faut le dire. Hop, je mets ça là-dedans, vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc tout simplement. Et c'est quelque chose que je vais vraiment travailler pour qu'on puisse bien faire les choses, pour qu'on puisse travailler honnêtement avec. Avec tout ça, hein, parce que le matériel, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de te faire comprendre aux gens, que voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc voilà, là, j'ai mis à ma façon pour l'instant, parce que tout simplement, hein, voilà, je l'ai mis pour l'instant comme ça. Hein, je l'avais remis bien tout à hier quand je l'ai reçu, mais... Aujourd'hui, non, parce que j'essaie de faire avec la vidéo, avec vous. Et donc, pour vous dire, en gros, que tout ce que j'ai en train de réaliser, c'est pour les ZAT, hein, voilà, pour les ZAT, pour l'établissement spécialisé de travailleurs handicapés, pour qu'on puisse avoir quand même les appareils, pour qu'on puisse commencer à travailler fur et à mesure. Bonne nouvelle, normalement, si tout va bien, j'aurai mardi mon compte professionnel, voilà, c'est mardi officiellement. Normalement, si tout va bien, voilà, je vous dis le mot « si tout va bien », parce qu'avec avec les problèmes, tout ça, vous savez très bien que nous, les associations, bah, si on est obligé de gagner des sous,
Donc on est une association animatrice, donc animation, et donc les associations animation là sont pas très bien vues actuellement. Pourquoi? Parce que cause du Covid-19. Pour information, vous inquiétez pas, il y aura quand même un petit truc. C'est que nous, on va commencer à vendre des vêtements. Hein, tout simplement, voilà, comme celui-ci. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez, hein, je suis habillé avec. Donc, tout simplement, je suis habillé avec. Et il faut le dire que c'est quelque chose que j'ai voulu... entreprendre, parce que il faut dire qu'il faut gagner de l'argent de tous les côtés. Faut pas penser qu'acheter le matériel de sonorisation, mais faut aussi montrer ce qu'on sait faire d'un autre sens. Alors, ce n'est pas une finition, ça. Hein. Ça, ce n'est pas une définition. Ça, c'est le premier modèle que j'ai fait. Donc, le premier modèle, vous savez toujours que le premier modèle n'est pas à top. Donc, les prochains. Normalement, si tout va bien, je le recevrai soit lundi, soit mardi ou soit mercredi. On n'en sait rien, on verra le temps que ça se fabrique. Et après, la définition, je vous la ferai montrer pour de bon. Vous faire montrer le deuxième. Alors toujours, pour l'instant, je prends comme couleur de base la couleur rouge. Voilà, la couleur de base pour nous, ça va être la couleur rouge. Ça veut dire que le blanc, c'est une option, le jaune, c'est une option, on va dire entre guillemets, pour façon de parler, vous allez bien comprendre, c'est que tout simplement, ceux qui veulent une couleur, qui veulent avoir, ils peuvent demander noir, tout ce que vous voulez, mais attention, les dessins seront différents, les couleurs ne sont pas les mêmes. Par exemple, si vous prenez noir, la version noire, avec la note de musique, comme elle est déjà noire, et ben moi je suis obligé de le mettre blanc. Vous voyez, la note de musique, je serai obligé de la mettre blanche. Parce que voilà le symbole officiel qu'on aura. On aura une note de musique. Et ça va être marqué, bien sûr, Digitony 78 pour la définition. Hein. Digitony 78 avec soirée de fou. Tout simplement en bas, voilà. Donc je vous fais montrer, si j'arrive. Hein. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Hein. Donc voilà, tout simplement. De faire bien montrer que c'est bien ce que j'ai fait, donc tout simplement. Et c'est ça. Alors ça, c'est le premier modèle. Donc le premier modèle, faut pas en prendre trop en compte. Hein, faut pas en prendre trop en compte parce que faut pas prendre en trop en compte parce que c'est le modèle, premier modèle. Le premier modèle, ça a été toujours quand on fait un premier modèle. C'est que le premier modèle ne sera pas l'officiel. Voilà, ne sera pas l'officiel. Moi, je suis obligé de travailler comme ça. J'aime bien travailler à ma pas à ma perfection, parce que je ne suis pas performant. Mais je serai quand même considéré comme performant, parce que je sais ce que je veux. Donc, voilà. Donc, je vous ferai, quand je les aurai, je vais vous faire montrer le deuxième. Et la définition, je vais vous la faire montrer aussi. Hein, faut le dire, parce que la définition... C'est trop loin, c'était trop près. La définition, eh ben c'est là que je vais vous la faire montrer. Et là, je vais la commander en taille XL pour moi. Parce que là, je vais la faire vraiment ma publicité avec moi-même. Faire des photos, je vais vous faire des photos, je vais vous faire montrer les photos, tout ça. Je pense que je vais le faire avec le caméscope, parce que j'ai un problème, c'est que faut que je m'achète un nouvel appareil photo. Ça me gonfle, mais j'ai pas le choix. J'ai vu un Olympus tout à l'heure à la Fnac. Et voilà, c'est quelque chose de magnifique, j'aime bien, mais j'aime pas trop, je suis pas pour les hybrides, je suis plus pour les appareils photo qu'on peut changer l'objectif pour mettre autre chose, beaucoup plus intéressant encore, parce que moi c'est pas pour les randonnées, c'est pour autre chose encore, c'est pour que je puisse faire de la photo différemment. Et en plus, ces photos que je vais faire, c'est des photos que je fais pour essayer de mettre en valeur certaines choses, certes les pochettes de disques, tout ça. Alors, on n'a pas besoin d'un super gros zoom, mais pour ce que je veux faire, par moment, j'en aurai besoin. Donc, je ne ferai pas beaucoup. Et moi, j'en ai un beau, j'ai un Pentax, mais le Pentax, il va...
bah, dégager de la maison parce que je fais pas son rôle, il est défectueux. Hein, c'est le cassant. Le cassant il est pas terrible. Voilà, le cassant est pas terrible, donc je peux te prendre le 470. On va voir. Hein. Si le 470 il est bien, ce sera pas le top, mais ce sera bien. Pour moi, ce sera parfait. Après, bon, bien sûr, je vais prendre une extension de garantie parce que, vous savez, moi, les garanties, l'extension de garantie, c'est hyper important, surtout pour du matériel de photo. Parce que j'ai eu la preuve avec le mien, je l'ai mis en extension de garantie, il est retombé hors garantie en panne. Et j'ai plus voulu le refaire réparer parce que je savais que lui-même, il avait déjà un problème. Je vous... écoutez, après, mettez commentaires, donnez-moi des idées aussi pour pour mettre quand même d'autres appareils en route, on va voir. Mais les appareils en route que je vais vous dire, c'est les guitares, elles seront, qu'ils soient droite ou gauche, c'est pas grave. C'est parce que c'est pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ne savent pas jouer à la guitare droite. Ils ont besoin d'une gauchère comme moi, par exemple. Moi, je suis obligé d'avoir une droitière. Une gauchère, parce que je ne sais pas... Je n'aime pas du tout les guitares. Moi, je me sens très mal à l'aise avec une guitare de droite. Après, c'est chacun. Hein. Moi, je ne suis pas... je suis pas un guitariste. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Allez, je vous fais des gros bisous. Hein. Et voilà, on a encore notre petit sapin, nous. Hein. Vous voyez, on a encore notre petit sapin ici, mais bon, voilà. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et surtout, à la prochaine vidéo et bye bye.